Je suis Sylvie Auger, fleuriste. Je suis installée sur la commune de Saint-Georges depuis octobre 2005, donc ça fait 16 ans cette année. Je suis artisan fleuriste, je fais tout ce qui est bouquet, composition de plantes, des plantes à l'unité, enfin tout ce qui concerne le métier de fleuriste. Je me suis lancée dans l'éco-défi, par pur hasard parce qu'on est venu me démarcher, mais on avait déjà démarré avant. Au fur et à mesure, nous avons pris l'initiative de trier nos déchets tout simplement. Donc vous allez voir l'arrivage. Tout est reçu en carton, plastique. Malheureusement, ça vient de loin, donc on est obligé. Donc nous trions à chaque fois, côté carton, côté plastique, les déchets verts si c'est possible. Et puis nous avons quelques autres petits défis où l'eau de nos vases n'est jamais jetée, mais sert à arroser les plantes. Personnellement, à la maison, donc on fait déjà très attention. Donc au magasin, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas fait la même chose. On a une poubelle, certes, où on met tout dedans, mais il est très facile de faire un sac plastique, un sac carton. C'est d'éteindre les lumières quand on n'est pas ouvert, c'est de ne pas mettre d'enseignes lumineuses. Tout ce qu'on achète pour les luminaires de Noël, c'est à LED. Il y a des petites choses. Quand on peut avancer comme ça, on le fait.